Oui, Cora, j'ai essayé de t'appeler, mais tu dois être en répète. Ouais, ou non, non, 9h22 à mon avis, t'es dans le train pour Amiens. C'est complètement fou. Le directeur de casting de Mogador vient de m'appeler. Je suis en callback. Casting chant, théâtre, danse, la totale. Alors, il veut me coacher, j'ai pas très bien compris pourquoi. Apparemment, j'ai été repêchée ou... Mais bon, je suis trop contente. Voilà. Et toi, comment c'était ta date hier? Ça s'est bien passé? Callback. Écrite et réalisée par Anne-Claire Jolin. Troisième épisode. Se faire confiance. Tu vois, comme je te disais, Violette, t'as du potentiel, mais t'as pas le mental. Alors du coup, ça se répercute sur quoi? Bah, sur ton chant et ton jeu, là. Tu vois ce que je veux dire? Ok, qu'est-ce que tu comptes chanter, là? Dis-moi à quoi tu joues de Mamma Mia. Tu connais Une vie juste rêvée de Sister Act? Oui. Bah on va faire celle-là plutôt, vas-y. Ah non mais non, mais celle-là je l'ai pas travaillée, je pensais qu'on ferait Mamma Mia. Bah voilà, c'est de ça que je te parle. Faut que tu puisses répondre là. C'est pas ce que t'imagines, bah c'est pas grave, tu t'adaptes. Tu crois que les autres veulent bosser avec une comédienne compliquée pendant 6 mois? Bah non, bah non, voilà. Bah oui. Tu te sens comment là? Je... Du tac au tac. Paniquée. Quoi d'autre? Je sais pas, je... Quoi d'autre? Allez, allez, allez. Découragée. Qu'est-ce que tu te dis? Je me dis que je ne vais pas y arriver. Mais encore? Et ça me rend triste, voilà. Alors, tu chantes avec ça, ok? Tu vois l'émotion, là? Mets-la dans la chanson. Vas-y, Violette. J'ai jamais traîné. Jamais répondu. Ne pas obéir. Je n'ai jamais su. Je n'ai jamais laissé le vent me porter. C'est drôle, mais je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais pu poser la moindre question. Jamais rien porté qui attire l'attention. Je ne suis pas de celles qui jouent les rebelles. Déployer mes ailes, je ne sais pas. Et tellement de non-dits que je traîne. De secrets bien gardés. C'est tout ce qu'il me reste d'une vie juste rêvée. Ben voilà! Tu vois que tu peux le faire, hein, Violette? C'est ça qu'on veut. Il y a tout, il y a la technique, il y a la confiance, et surtout, tu sais qu'il y a quoi? L'émotion. Et c'est ça qu'on cherche. Ok, ok. On va essayer de jeter l'arme. T'as bien bossé. Salut Violette, écoute, je viens en nouvelle. Comment s'est passée ta séance de coaching avec Nézir? Et alors là, je viens de finir le show, c'était dingue ce soir, un public hyper réceptif. Enfin, si c'est tous les soirs comme ça... Voilà, en tout cas, bon, j'espère que tout va pour le mieux. Bonne soirée et à bientôt. Salut Cora, merci pour ton message, ça a l'air trop cool, ta tournée. Oh là là, moi je suis en panique, là, je suis en route vers la pharmacie de garde, j'ai des boutons partout. Je crois que j'ai des punaises de lit. J'ai regardé sur internet, mais c'est super gay. Vous savez où est le bar du Chat Perché? Oui, là, vous passez là-bas, et puis ensuite, c'est à gauche. Ah, ok. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Je sais plus ce que je disais. Si, oh là là, les punaises de lit, ça me stresse, ça me gratte de ouf. Ah, attends, tu me rappelles? Et tu me vois, là? Ouais, je te vois. Ah ouais, oulala, mais cherche pas, Violette, hein. Ça, c'est sûrement stress, hein. Ah ouais, tu crois? Non mais je sais, Nézir, il arrête pas de me dire qu'il faut que je prenne confiance, mais franchement c'est comme l'éléphant rose quoi. Plus on me dit de pas y penser, plus j'y pense et moins j'y arrive. Ok, t'es loin de chez toi là? Non, pas vraiment. D'accord, bah écoute, tu sais quoi, fais demi-tour et tu me rappelles quand t'es arrivé. On va essayer un petit truc. Ok, d'accord, bah à tout de suite. À tout de suite.
Et maintenant, sens ta respiration là où elle est la plus vive. Dans ta poitrine qui se gonfle et se dégonfle. L'air qui entre et sort de tes narines. Ou encore ton ventre que tu sens bouger à mesure que tu respires. Choisis cet endroit de ton corps et tu l'écoutes. Maintenant, tu sens ton corps se déposer sur le sol. Le contact de tes jambes avec le tapis, tes mains sur ton ventre. Tu es présent. Reste encore quelques secondes ainsi, à sentir ton corps qui se dépose sur le sol. Et quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Alors ? Mais c'est ouf ! Quoi ? Bah, j'ai l'impression que c'est en train de disparaître, j'ai presque plus de boutons. De punaise, tu veux dire ? Non, tant mieux, je suis contente pour toi. Ah tiens, attends, écoute ça. Là, je viens de recevoir un message sur, sur Insta. Alors, je tenais à vous remercier pour votre performance de ce soir. Mon fils vient de passer plusieurs mois à l'hôpital et il voulait absolument voir une comédie musicale. Quand vous avez chanté « Vivons ensemble », il a pleuré de joie en me disant « Maman, c'est ça que je veux faire ». Alors, tu vois, les boutons, les punaises, on s'en fout. Merci Cora, c'était trop bien. Bonne nuit, Violette. Bonne nuit. Call back. Une série écrite et réalisée par Anne-Claire Jolin. Proposée par le Théâtre Mogador. Produite par Narrative. Interprétation Chloé Astor, Annabelle Langronne, Rabah Alioan. Prise de son Hugo De Guillard et Laurine Bonnefoy. Montage Laura Shelfie. Mixage Mathieu Fraticelli. Musique originale Nikki De Miller. Production Candice Gatici, Olivier Lazzarini et Laurence Pagot.